Soyez intelligent. Ne mettez pas votre vie en danger. Ne faites pas ça chez vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, sale chien, mon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Meurs, ta mère, ton meurs, hein ? Meurs, meurs, meurs ! Mourez ! Salut, salam les frérots, je suis avec votre bonhomme masqué préféré, PDG. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la suite de l'aventure de Dead Space Remake. Donc, allez vous chercher une boisson fraîche, une boisson shot pour vous poser calmement, tranquillement devant mon gameplay. Allez aussi vous chercher un petit truc à manger chaud, un petit truc froid. Du poulet, du blanc de poulet. Allez vous chercher un petit sandwich blanc de poulet. Oh, c'est bon, sandwich blanc de poulet. Ceux qui n'aiment pas le blanc de poulet, frère, vous êtes bizarres. Vous êtes bizarres, vous êtes des connards. Vous êtes des connards, de toute façon. Non, vous n'êtes pas des connards, je rigole, enfin. Enfin, je vous aime. Vous êtes ma communauté. faut que j'apprenne à bien s'essuyer. Comme un vrai youtubeur. Ah ouais, qu'est-ce que je vois des fois, c'est incroyable des fois ce que je vois sur internet. Là, j'ai vu un... Bon, on va pas dire son nom, on va pas lui faire de la pub, même si ça n'a pas besoin de pub. Il y a un youtubeur, il touche 20 000 euros, moi, 20 000 euros, moi. C'est-à-dire enlever les impôts, tu comptes pas les membres de soutien, c'est-à-dire les dons. Juste avec les dons, il y a au moins, lui, 1 000 euros. Donc, il touche 20 000 euros, moi. T'enlèves les impôts, sachant qu'il y a une société et tout, il lui reste, en payant tout, il lui reste au minimum... 8 500, 9 000 euros. Donc il touche cette somme-là. Il a osé se plaindre en mode oui, heureusement que vous êtes là pour me faire les dons parce que les monétisés des vidéos sont pas trop monétisés. Il est plein, ce bâtard, il est plein. Mais non. Il a trouvé le moyen de se plaindre. Bah écoute, quand même, les gens, ils sont culottés. Hein. 20 000 euros, frère, il fait. C'est quoi, le SMIC à 1002, je crois. Il fait, ouais, 1002, c'est ça. Il fait au moins 10 fois le SMIC par mois dans sa poche. Et ça ose se plaindre. J'ai vraiment, les gens, ils sont culottés maintenant. C'est pour ça que je vous le dis. Les youtubeurs, sans vos dons, sans que vous soyez là pour eux, c'est des trous du cul, hein. Eh, c'est des vieux trous du cul, c'est des vieilles victimes, hein. Croyez pas, c'est des queues qui pèsent, c'est des trous du cul sans vous. N'oubliez jamais ça. C'est grâce à vous qui font de l'argent, c'est grâce à vous qui s'en mettent plein les poches. Sinon, c'est des trous du cul. Ils peuvent faire en mode les anciens, ouais, façon, moi, je travaille, je fais 15 000 vidéos par jour. Mais en vrai de vrai, c'est des trous du cul sans vous. Et imaginez pas le contraire, hein. C'est pas au point, faut pas les harceler, au point de les harceler de vouloir baiser leur femme. Mais pas arriver à ce point-là. Oh, par contre, le son, il est fort, les frères. Oh, c'est comme il s'est fait fumer. Mon ami Ching Chong. Oh non, je me suis pris par un monstre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis mort. Petit accent chinois, c'est de l'humour, les gars. Oh, il n'y a rien de raciste. Comment tu peux être raciste contre les Chinois? C'est eux qui sont en majorité. On est en minorité, comparé à... Donc, je dois aller où, moi? Déjà, je vais poser une sauvegarde. Ah, notre ami Bruce Lee, il est mort, hein. Non, ça, par contre, c'est un peu raciste. BDG, t'es un peu raciste sur les bords. T'es un fou, moi, j'aime tout le monde, hein. Moi, j'aime les Chinois, j'aime les Japonais. Surtout les meufs japonaises. Surtout les meufs thaïlandaises. Papapa, ou coréennes. Papapa, que mais... Ils se les branlent en live. Non, moi, j'aime tout le monde, moi. Moi, je suis pour la diversité, l'inclusivité... Je veux que chaque peuple vit dans son environnement naturel, sans que ce soit... Ouais, il fait deux kits de laboratoire, là, je vais le soulever ça d'Aaron, lui. Endommagé se trouve derrière les portes du hangar. Je vais les ouvrir. Entrée en zéro gravité. Ouais, c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ce bordel? Oh non, zéro gravité. Mais le conduit devrait vous emmener directement à l'ingénierie. Ah, c'est le Renoir qui parle, ah, je vous jure qu'il y a une voix de Jean-Charles. Chum, les frères, vous pouvez vendre le contraire, là. Il y a une voix de Jean-Charles, en vrai.
Vas-y, on va visiter là, il y a quoi à faire ici. Je vous jure, il y a une voix de Jean-Charles. Mais vous ouvrez les portes au niveau de la juridiction de la zone circonférentielle de mon Z. Non mais les frères, il y a une voix de. Il n'y a pas une voix de Renoir, moi, c'est moi qui vous le dis. Ça, ils ont doublage, là, ils ont déconné. Hein. Ah, j'ai pas les Renoir, ils doivent parler avec un accent ou quoi du tout. Mais en fait, là, en vrai de vrai, quand tu vois juste Christopher Judge. T'as vu, Christopher Judge, c'est celui qui fait la voix de Kratos, pour ceux qui le savent pas. Hein. Maintenant, vous le savez, je sais, merci de rien. Ah, genre, là, je peux me poser comme ça ici? Non, ouais. Ouais, je m'aurais dit, ça aurait été trop. Genre comme ça, là. Ah, c'est dommage. Oh, ma tête, elle tourne. Donc, Christopher Judge, j'ai une putain de voix. C'est la voix de Kratos en anglais, tu vois sa voix. Ça, c'est une voix de Renoir, frère. Bonjour, alors, comment. Je vais vous ouvrir la gravité. Vas-y, toi. Ta vieille voix. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un bail ici, là? Moi, comme ça, ça n'a pas des bails. J'aime bien les babab bails. Donc, il n'y a pas un babab bail par ici? Ouais, faut bien fouiller, hein. Ouais, c'est quoi? C'est des trucs explosifs, ça? Ouais, il y en a deux. Ouais, les frères, donnez-moi des balles de pistolet, là. De cutter. Tout à l'heure, on me donne que des balles de mitraillette. Voilà, merci. Ah, il suffit de demander et on vous donne. Hein. C'est comme dans la vie. Demandez et vous allez vous faire cracher à la gueule. Là, dans la vie, faut prendre, frère. Faut rien demander dans la vie, faut prendre. Si tu prends pas, on me donne rien. Ouais, c'est moi qui te le dis, grand. Que mais il veut faire que mais. Trop faire le gars qui. Il y en a, ils veulent trop faire les gars. Ils ont tout vécu, c'est des anciens. Mais vas-y, casse-toi de là. Oh. T'as rien vécu, tu t'en es juste pris plein le cul. C'est moi qui te le dis. Ah là, il y a un bail là. Bah laisse-moi y aller, laisse-moi, pourquoi tu me bloques. Putain, tout le temps on veut me bloquer, moi. Dans la vie, on veut me bloquer. En amour, on veut me bloquer. Ouais, je suis passé où? Tout le temps on veut me bloquer, moi. Laissez-moi vivre. They give it my life. Vas-y, descends, descends, descends. Bon, oh. Descends, Isaac, je vais gifler ta mère. Hop, hop, hop. Ouais, je que de l'oseille, on me donne. Ah oui, là, il y avait des trucs à voir ici. Mais ça veut dire que. Ouais, là, hop. Oh, il y a trop de trucs à fouiller ici, en fait. Hein. En fait, ici, c'est la caserne d'Ali Baba ici. Hop. Hop. Prends-le, grosse tête. Hop, voilà. Merci, merci, au revoir. Merci, merci, au revoir. Voilà, c'est bon, on a fait. Hop, on va voir, il y a quoi là-bas. Vas-y, vas-y, on revole, vas-y, revole. Ouh, je suis Iron Man de WarZZ. Iron Man, il a pris au moins 40 kilos. Alors, au moins 100 kilos, n'abusons pas. Donc là, on est arrivé. Et... Hop, ici, je pense, on va se poser un peu. Non, on peut pas se poser. On va voir ce qu'il y a au bout là. Il faut regarder ce qu'il y a au bout, mais on va regarder quand même à gauche. Et en trop ici là. Si jamais on rate une caisse. Oh, c'est bien fait, n'empêche. Là-bas, j'ai vu une caisse. Inquiétez-vous pas, on va la récupérer. Comme si vous vous inquiétez, de toute façon. Vous savez que je suis un roi, moi, je récupère tout le monde. On peut même se poser ici. Ah, ici sera une nouvelle zone après, je pense. C'est pour ça qu'on peut se poser. Ok, là, il n'y a rien. Ok, on va voir là-bas. Ah, il y a même un truc au-dessus, non? Je sais qu'il y a une caisse au milieu, je l'ai vu tout à l'heure. Il y a même des caisses là par là, là. Viens, toi, on peut le prendre de loin, là, comme ça, non? Voilà, merci. Voilà. Voilà.
Youhou! Je sais, j'ai vu une caisse par là, tout à l'heure. Ah non, j'ai vu une caisse. Je suis pas fou, j'en ai vu une. Je vous jure, j'en ai vu une tout à l'heure. Ouais, je suis pas fou, les frères. Voilà, Hachem, je l'ai vu, je suis pas fou. Elle est passée où? Peut-être elle s'enfuit, non? Bon, allez, à défaut de trouver une caisse, je lâche une caisse. Qu'est-ce que je suis drôle! Je suis trop drôle! Bon, on s'en bat les couilles, on va aller voir par là. Pas pour faire un crevard pour un soin. C'est vraiment, c'est trop bien fait. Je sais pas si vous trouvez ça comment. Moi, je trouve ça trop bien fait. Par contre, la gravité, ça me... Waouh, ça me fait tourner la tête. Tous les explosifs, là, j'utilise pas. Après, on en aura besoin. De toute façon, on va revenir ici pour la suite. Voilà, la caisse, elle est là. C'était pas celle-là que j'avais vue. Hein. Voilà. Il y en a une autre là-bas. Voilà, merci. Au revoir. Il y a rien là par là. Encore une caisse. Ouais, c'est... Il y a 15 000 caisses ici. Là. Allez, c'est bon, là, on peut partir. On peut aller là-bas, là, on était tout à l'heure. Tout ça, je crois, c'est mon vaisseau qu'on a cassé hein, au début du jeu. Hein. Allez, pose-toi. Voilà mon grand. Voilà ma grande. Il me dit d'aller où, lui? Ouais, mais rien à voir. Tout à l'heure, je pensais que c'était par ici. C'est pas par ici, en fait. On peut passer par là. Une zone de vide, c'est quoi? On peut rester en l'air. Moi, je crois que cette zone n'était pas encore inaccessible. Oh, j'ai de la respiration. Ah ouais, je dois. Ah ouais, je dois pas rester longtemps. Les frères, je vais mourir. Il me reste que 50 secondes à vide. À vivre. Yamete, laissez-moi vivre. Oh, je panique. Je panique, les frères. Je suis insupportable. Oh, les frères. Oh. Oh, mon Dieu. Merde, c'est par là-bas. Je me suis perdu. C'est quoi, ça? Rig de... violeur. Rig de vieux Volker. Je sais pas, ça sert à quoi ça. T'inquiète, tu vas respirer, frérot. Voilà. Voilà, tranquille. Pourquoi tu... Oh, il veut quoi, lui? Les mains douleur. Oh, j'ai mis une balle gratuite la dernière balle. Oh, les frères, je suis en train de mourir encore. Je sais pas si je vais pouvoir respirer longtemps. Oh, rien m'était. Oh, oh, mes frères. Oh, putain, je me tue tout seul. Suis-je fou? Oui. Une seule réponse à cette question. Suis-je fou? Oui. Alors, en vrai de vrai, je suis pas fou. Hein. Vous croyez, là, je fais le fou et tout, mais je suis normal dans la vie réelle. Là, c'est la vie réelle quand je tourne. Mais je veux dire que... En fait, c'est bizarre. Les youtubeurs, c'est un peu un travail. C'est pas vraiment un travail, c'est plus un loisir.
Même si tu fais de l'oseille grâce à ça, c'est plus un loisir. Même s'il y a du travail, hein. Faut pas se mentir. Ah, je suis en train de m'étouffer, je suis en train de me faire une gorge profonde. 17 secondes avant de mourir d'une gorge profonde. Est-ce que je vais réussir? 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 8 secondes. 7. Allez hop, je suis pas mort d'une gorge profonde. Ouais, il veut quoi? Laisse-moi, sale chien. Ouah, je fais un bordel. Ouah, je sais même plus ce que je fais. Ouah, attends, est-ce que je peux lui mettre des patates comme ça? Ah, je peux pas. Bah merde! Ouais, j'arrive pas à tirer en gravité zéro. Ouah, là, je suis en train de tirer toutes mes balles. Meurs, fils de pute, va. Voilà. Donc, je disais, youtubeur, c'est un peu un... entre guillemets, un travail de... un travail. C'est un peu un truc de schizophrène, plutôt. Pas un travail, mais c'est plus ça. C'est vraiment un truc de schizo de ouf, hein. Parce qu'en gros, t'es dans ta chambre, tu parles tout seul. Tu parles pas vraiment tout seul, tu parles à des gens, en vrai, tu vois, qui te regardent. Mais c'est un peu schizo, hein. Tu te dis, ah ouais, des fois, tu t'exprimes tout seul, tu dis, ouais, nanana... Il sait pas vraiment les gens ce qu'ils pensent. Parce que ceux qui te laissent des commentaires, si ça se trouve, ils disent ouais, t'es un bon, je te kiffe. Mais ils disent ah non, c'est un gros bâtard. Je dis ça pour l'engrainer en gros. Je sais pas, hein, c'est possible qu'il y a des fils d'eux comme ça, non? Moi, dans, chez moi, je pense pas, moi. Genre, ils disent tous, les youtubeurs, ils disent ah non, moi, je pense pas dans ma communauté qu'il y a des gens comme ça. Non, mais en vrai de vrai, moi, je pense pas. Je pense que. En gros, moi, je pense que. Ah, attends, attends, je vais le fumer lui. Je... Vas-y, sors tes bites, là. Ok, je vais reprendre. Ah, ce qui me tire dessus, c'est un chien. Wow, wow, ça me tire par derrière. Ah, ah, ah. Ah, you, you, you. Ah, bâtard, il est en train de me fumer, ma daronne. Ça fait trop réel parce que quand tu tires, genre, t'entends le bruit. T'entends le bruit d'air. Mais t'entends le bruit en mode. T'entends le bruit en mode. Étouffé. Tu vois? Et c'est vraiment ça, ça tue. Je suis enrhumé en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Ouais, c'est incroyable. Donc, ce que je disais, je pense pas que les gens qui me regardent, moi, t'as vu, ils pensent comme ça. T'as... Après, ceux qui me regardent pas régulièrement, ouais. Mais je pense que ceux qui me regardent régulièrement. Tu vois, ils disent, ouais, il est marrant, il est tranquille. Donc, il me fait rigoler, il est authentique. Parce que moi, je joue pas un rôle, moi, je suis comme je suis, t'as vu. Moi, si tu... soit tu m'aimes pas. Et si tu m'aimes pas, en vrai de vrai, je m'en bats les couilles. C'est pour ça qu'il va changer ma vie. Tu vois, et je pense en fait que tout le monde devrait penser comme ça. Tout le monde devrait penser en mode, soit tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas. Bah, les couilles. Et les gens, ils font trop, en fait, trop de choses pour que... Les autres, ils les aiment. Ouais, exemple, tu prends un exemple simple. Après, c'est pas... Je vais dire ça, c'est pas... Ma meilleure pote, c'est pas... C'est pas une meuf que je surkiffe, t'as vu? Mais juste pour dire. C'est des trucs verts, là, comme ça, c'est des bails, là? Ouais, c'est des bails. Donc, en vrai de vrai, moi, il y a quand même une meuf, exemple simple. Carole Quintaine, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Mais qu'il aime pas de fou, il insulte sa daronne et tout, ils vont loin, mais bon, bref, c'est comme ça. Moi, perso, j'ai rien contre elle, hein. Même, j'apprécie certaines de ses vidéos, je suis pas tout le temps d'accord avec elle, et heureusement, parce que... Être tout le temps d'accord avec un... avec une personne, c'est être un peu un gros suceur, tu vois. Mais en vrai de vrai, quand tu regardes, moi, je... en fait... Moi, j'ai pas ce truc où j'idolâtre un youtubeur ou un cumé sur internet ou même un acteur. Ou... Moi, vraiment, moi, si tu peux pas mal parler d'une personne, c'est de mes parents ou quelqu'un de ma famille, tu vois. Si je te connais pas, frère, je t'écharpie en mille morceaux. Hein. Et crois-moi, quand tu vas voir la bête, tu vas pas parler. Mais voilà, tu vois. Mais il y a des gens, vraiment, ils sont là en mode idolâtre, tu vois. Ils sont. Tu leur parles mal. D'un youtubeur ou comme l'autre, la Khemja, la Khemjet, là. Poupette, là. Hacham, c'est quoi ce délire, les frères? Réveillez-vous, hein, les sœurettes, surtout. Hein. Ah ouais, c'est quoi ce délire de clochard, là, une vieille meuf comme ça. Une vieille pouilleuse comme ça, en plus. Tu vois, c'est une pouilleuse, faut dire en vérité. Hein. Les meufs comme ça, c'est des pouilleuses, hein. C'est pas des meufs qui...
qui se respectent, ou tatachi, t'as vu? Les meufs comme ça, c'est des pouilleuses. Oh putain, mais wesh! Je suis même pas où? Ah là, je vais clams, hein. Ah, les frères, à trop parler, je vais clams. C'est tout, je suis mort. C'est tout, je suis mort. Je suis mort. Sortie d'une zone. Oh putain. Bah rends ta mère, récupère l'énergie, non? Ah ouais, j'ai failli mourir. Donc en gros, ouais, ce que je disais, c'est des pouillées, les meufs, comme ça. Mort, c'est mon avis à moi. Je la connais pas personnellement, mais ce qu'elle reflète sur internet, c'est qu'une c'est une pouillée, tu vois. Après, il y en a, il la kiffe. Mais tu peux aimer une personne, mes frères. Tu parles mal d'elle, ils sont là, ils font la gueule et tout. On dirait c'est ton daron, c'est leur daron, ils l'ont mis sous tutelle, c'est leur daron, ils l'ont mis sous tutelle, ils sont sous tutelle. Moi je trouve ça vraiment bizarre comme bail, tu vois, comme délire en mode influenceuse, t'es là, tu... En plus le pire, c'est qu'ils s'en battent les couilles de leur gueule, hein, ça le pire. C'est des gens, frère, ils ont leur vie, ils mettent tout sur internet, mais en fait ils ont... Ils sont jamais été aussi seuls de toute leur vie. En vrai de vrai, tu vois. C'est des gens, ils ont jamais été aussi seuls de toute leur vie. Bon, je crois qu'on a tout récupéré, non? Ouais. On va rentrer. Sortie d'une zone en zéro. Ils sont H24 sur internet, mais ils ont jamais été aussi seuls de toute leur vie. Bref. Là, on va... Oh, wesh, wesh, wesh! Bâtard! Nique sa mère, nique pas, coupon, coupon, coupon. Enfin, le chien, va. Oh là, il m'a fait trop peur. Et ouais, ces gens-là, ils sont seuls, hein. Ils sont tout le temps sur Internet, mais ils sont seuls. Oh, l'hélice, là. C'est quoi, tout ça pour des balles? Enfin, me donner des points de compétence, je m'en bats les couilles de tes balles. Là, s'il y a rien au-dessus des armoires, là. Parce que des fois, ils mettent des trucs au-dessus des armoires. C'est chiant. Oh non, arrête de tourner, on t'a dit. Donc, nous, on est arrivé ici après la longue zone de dépressurisation. 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 Ouais, c'est quoi cette porte? Journal textuel. Bon, on va lire ça. C'est très important de tout lire, hein. Moi je fais tout, hein, parce qu'on est là, on s'en bat les couilles. Hein. On prend en même temps, on joue, on parle ensemble. Ajoutez ceci à ma demande de priorité de maintenance. Peut-être qu'un rapport écrit finira par attirer leur attention. La croissance non identifiée, signalée ailleurs sur le vaisseau, a atteint l'ingénierie. Oh, c'est moi, c'est mon entraînement, les frères, c'est mon travail, je suis ingénieur. Même le point médical ne sait pas ce que c'est. On dirait que quelqu'un a jeté ses tripes partout sur les murs. Ah ouais, c'est nécromorphe. Non, pour l'instant, les 3-4 premiers épisodes, je pense qu'on est encore dans le fait que l'infection, elle est encore... on est encore au début de l'infection. On n'est pas encore vraiment avancé, on connaît pas les nécromorphes. Bon, bref, on dirait que quelqu'un a jeté ses tripes partout sous le mur, tatati, ça continue de se répandre avant même qu'on ait le temps de l'enlever, ce qui est déjà assez écœurant en soi. Elle a déjà cassé le monte-charge et elle commence déjà à s'infiltrer dans le moteur. Ah non, c'est pas les nécromorphes! Ça, c'est une grosse bête, ça. C'est un boss. On ne trouve pas rapidement un moyen de s'en débarrasser à finir par infester la salle des moteurs d'ici 2 jours. Si on m'a donné autant de balles de mitraillette, c'est que je vais bientôt l'affronter. En attendant, je vais aller voir le pont de fourrage. Ils ont des PFM-100 en stock pour le forage de glace. Et ils ont un peu de carburant en trop. Peut-être que si on cautérise ce truc, ça ne réglera le problème. J'espère juste que ça sent pas encore plus mauvais quand c'est en feu. En vrai, là, des space, pas en faire au moins une dizaine. S'ils sont malins, ils sont pas cons, là, des suites, ils peuvent en faire 10. Faut juste pas qu'ils aillent dans trop l'action. Faut vraiment qu'ils restent dans l'horreur. Le 2, il va être incroyable. S'ils font le remake, ils font correctement. Et le 3, faut qu'ils restent encore dans... Position orbitale compromise. En fait, le 1, faut qu'ils soient dans le vaisseau. Le 2, dans encore un vaisseau. Le 3, ils soient dans la glace. Mais soit une glace un peu comme dans notre planète. T'as vu? Mais vraiment pas d'action, quoi. Des trucs un peu en glacé, glacé. Atteint le truc, activer commande. Oh, c'est par là, activer commande.
Donc ici, il y a plein de niveau 2, plein de niveau 1. Journal audio. Journal d'ingénierie, ingénieur en chef Jacob Temple au rapport. De Jésus, j'arrive toujours pas à croire que le chef est disparu. La situation a dégénéré depuis la mort du capitaine. Ils sont tous sur les nerfs ici. On pensait que la révolte était grave jusqu'à ce que ces choses sortent des conduits. Leur visage. Bordel, je déjeunais avec ces gens. C'était des potes de Lise, c'était des ex. Et maintenant, les moteurs ont pété. Le principal est en panne et on perd un max de carburant. J'y comprends rien. J'emmène Denver au dépôt de carburant pour réparer ça. Il faut cadrer l'équipe ou ils vont craquer. Temple terminé. Accélération, recherche cinétique automatique. Placer cette pièce sur l'établi pour étendre la voie d'amélioration, accéder à une amélioration. Ah, c'est des améliorations, ça. Accumulateur de chaleur. Placer ces pièces rétablies pour étendre la voie d'amélioration. Ah, ça s'achète, ça. Oh, c'est bien. Franchement, c'est bien. Non, ok, ça c'est le premier. On a acheté un truc, je sais pas si c'est niveau 2 ou c'est niveau 1 ça. Et c'est qui? On va voir c'est quoi. Attends, on va voir c'est quoi. Je sais pas, peut-être c'est un truc spécial. C'est une armure spéciale ou c'est mon ancienne armure? On va voir. On va voir c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. C'est mon truc de base ou... C'est un skin. Peut-être c'est un skin, non? Ah, on peut l'équiper, on peut le déséquiper. Ah, ok, bah ça, c'est pas un truc de base, c'est un truc de... C'est un truc en plus, je crois. Attends, on va voir. C'était mieux, c'est mieux maintenant ou c'était mieux avant? Ah, c'est le ring classique celui-là. Ah, ok, non, je préfère celui-là d'avant, non? Je sais pas, on va laisser celui-là. Celui-là d'avant, c'est quoi? Ah, je sais, je casse les couilles, hein, mais. J'ai envie de voir la différence en fait. Celui-là d'après, je crois, il est mieux. Hein. En fait, celui-là, je crois que c'est là-bas, c'est celui-là de Dead Space 1. Ah non, celui-là, il est mieux. Ah, je préfère celui-là, j'ai l'impression, non? Ah, celui-là, il est classe. J'espère que ça change pas les améliorations. De toute façon, c'est les mêmes, on s'en fout. Et ça, c'est un truc d'amélioration, alors. Quantité unique. On va acheter ça. Ok, hop, inventaire. On a ce qu'il faut. On va mettre ça dans l'établi. Acheter, bah on a rien d'autre à acheter. Voilà. Ah bah j'avais pas 11 balles à mettre dessus. Ouais, ouais, j'ai plus trop de balles de cutter en placement. On va en enlever celui qui a... On va laisser comme ça, puis on tuera fusil d'assaut. Wesh, ça bouge, ça. Vous avez vu comment ça bouge? Wesh, y'a quoi dedans? Ouais, un même truc. Et ici, c'est quoi, ici? On a même pas sauvegardé, hein. Ah ok, si c'est pour partir, d'accord. D'accord, ici c'est pour partir. Donc ouais, donc là-bas, en fait, toute la grande zone, là, c'est une zone qu'on va faire tout au long du jeu. Ok. Ok, on va avancer encore un petit peu. On va sauvegarder avant. On va sauvegarder, hop. Voilà. Et on va activer ça.
Ici, il y a un gros boss. Quoi dans la salle de contrôle? Des nouvelles des moteurs? Oui, mais ça n'a aucun sens. Ils n'ont plus de carburant. La centrifugeuse est hors service. On est attaché à un chargement de 4 millions de tonnes. Sans les moteurs, il va nous entraîner vers la planète. Vous pouvez y arriver tout seul? Ouais, réparer la centrifugeuse, remettre du carburant et redémarrer tout ça. Mais vous devrez stabiliser notre orbite à partir de là. Je me tiens prêt. Faites vite, Isaac. Il est marrant, lui. Faites vite, t'as cru... J'avais une fusée dans le cul, ou quoi? Ouais, ici, je me souviens... Oh, regardez, il y avait même... Il avait le même costume que moi. Ravitailler le moteur nord. Et ravitailler le moteur là. Ça, c'est verrouillé. Il y a deux moteurs là. Ah, celui-là et celui-là. Celui-là, je me demande c'est quoi celui-là. Centrifugeuse. Ah non, non, on va pas y aller tout de suite en centrifugeuse. On va aller par là, mieux. J'espère sur la route, on va trouver un truc de save. Y a quoi ici là? Y a rien là? Voilà. On vérifie au-dessus hein, s'il n'y a pas des trucs cachés. Petite balle ou quoi? Ouais, y a deux trucs. Y a par là à droite. C'est quoi ça? Oh oui! Oh oui! Oh putain, mon arme préférée. Oh, c'est mon arme préférée celle-là. Oh merci. Oh merci. Équipé, c'est non, on en met à gauche. Oh là là, merci. Oh putain, tue sa mère cette arme. Une scie industrielle. C'est tir principal, tire une arme. Tire une arme, visée dans... Ah ben frère, laisse-moi t'en dire la putain de ta mère. Oh 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là? Ah oh, ouais, c'est ça. Ah, tue sa mère cette arme. Elle tue sa mère cette arme. Et l'autre, les lames, ça jette, t'as vu? Ouais, elle tue sa mère cette arme. Verrouillé. Ah ouais? Ouvre-toi ta mère. Établi. Plan d'amélioration pour quitter plasma, niveau cap 6, 1, point de force a été récupéré. Ah ok, un seul. Ah ouais, non mais j'avoue, le découpeur là, il tue sa mère. Hein. C'est quoi le truc de bail de cutter plasma? Ah ouais, c'est ça en fait, j'ai débloqué toute la zone là. Ça c'est une capacité spéciale. Applique des dégâts sur la durée à chaque tir. Oh putain. Ah ouais, c'est cool ça. En fait, le vrai de vrai, c'est remonter. Là, comme ça. Parce que là, ou là, peut-être là. Augmente considérablement la capacité en munitions. Ouais, ça c'est pas terrible. Le meilleur, c'est des gars là, comme ça là. Faire tac, tac, tac. Mais là, on va améliorer les découpeurs. Voilà. Oh là là, on va s'amuser là, les frères. Ah, les frérots, là, si que le jeu commence. Tout ce que vous avez vu au début, c'était pas le jeu. Là, le jeu, vraiment, il commence. Croyez-moi que là... Bah, ici, avec quoi? Ici, on est venu ici, là? On est rentré dans ce bail, là? On n'est pas rentré ici, ah ouais? Parce que là, il m'a dit d'aller là-bas. On n'est pas rentré ici. Ici, y a quoi, ici? Oh putain, elle m'a fait peur. Ouais, il y a de l'argent dans les chiottes. Ah non, c'est des munitions. Putain, ils s'arrachent les toilettes dans le vaisseau. Je sais pas, ils mangeaient quoi, frère? Mais la bouffe du futur. Une clamolette. Je peux pas la prendre. Il marquait quoi là? Non, il n'y a pas de dieu, car je sais que.
Non, je sais que Dieu ne nous fire. No God, no fear. Je veux trop faire que mec qui parle anglais, mais je comprends rien en anglais. Demande de sécurité retrouvée. On a besoin d'aide ici à l'ingénierie. Ah, Miskin est en train de souffler. Je veux pas, je veux pas. Il s'arrache les dents. Où est la sécurité, putain? Oh putain, il est mort. Ah oui, c'est suicide day. Mais il a cogné cet évier vraiment fort. Chef, il se passe quoi, bordel? Aucune idée. On annule la demande de sécurité. Anderson a besoin d'un toubib et d'un psy. Ah ouais, Miskin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a toi? Viens, bah viens. Viens, sale chien, viens. Là, il attaque comme un trou du cul. Je prends ça au cas où. C'est juste au cas où. Hein. Voilà, ta grand-mère, je l'ai fait sauter. Je me suis sauté un peu avec moi, mais... Voilà, c'est donc c'est par là, donc je vais pas par là, je vais fouiller un peu à droite, à gauche. Putain, on voit rien, Zebi, c'est une cave, hein. Putain, niveau 2. Ok, on va regarder par là. Bien regarder au-dessus. Ça pas de bail. Alerte. Réserve de carburant insuffisante. Moteurs principaux coupés. Ah ouais. Ici, y a quoi ici? Bah ici, y a des monstres. Un soin là, on va en manger un soin, on va en manger un soin. Ici c'est quoi? Ah, ça a l'air d'être des commandes ici. Ravitailler les moteurs nord. Ok, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Pour voir. Pèse ta mère! Oh le bâtard! Ah, il y en a derrière moi! Oh putain, le chien! Voilà, meurs ta mère! Oh là, il y en avait un derrière moi, le bâtard! Quel fils de! Il m'a fait rouf! Hein. Et j'ai fait trop peur ce jeu. C'est le seul jeu qui m'a fait peur de toute ma vie. Hein. Et vraiment en mode peur. Je chie dans mon froc. Hein. Parce que vraiment, c'est un des seuls jeux qui m'a fait autant peur. Même quand à l'époque je l'avais fait, j'étais petit. Il m'a traumatisé. Vous m'en pas ce jeu, il m'a traumatisé quand j'avais fait quand j'étais petit peur. Ouais, j'ai 15 000 trucs ici. Qu'est-ce que tu veux? Oh, ah, bâtard! Meurs ta mère, meurs! Meurs ta mère, meurs! Sale chien, là. Ah, c'est quoi? J'ai fait toute la zone, là. C'était, en fait... Ah, ok. En fait, tout ça, ça m'a ramené jusqu'ici, la porte. C'était la porte qui était bloquée. Ok, d'accord. Bah, on fera la suite. Bon, on va voir tout de suite. Il y a quoi, là-bas? Pourquoi attendre la prochaine fois? Voilà, bon, on va sauvegarder déjà. On fera la prochaine fois. Ce sera mieux. Comme ça, au moins, vous aurez un long gameplay. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr, à vous abonner. Ça donne énormément de force. Et je vous dis à très très vite et à bientôt.
jungle.